Un dispositif autour d'un territoire où mon intérêt principal pour ce territoire était la rivière et un endroit près de la rivière où j'avais l'impression qu'il y avait plein d'histoires qui pouvaient se raconter. Et l'idée du film, c'est un peu d'aller à la pêche de ces histoires et pour faire une forme de portrait croisé de deux vigiles qui sont donc placés là, et ça c'est le dispositif fictionnel du film, de vigiles qui sont placés là pour sécuriser la rivière, mais en vrai ils sont là pour interagir et interagir avec les gens du quartier pour dresser une espèce de portrait entre fiction et réalité, entre imaginaire et réel de ce quartier. Pour moi, la vigilance contient à la fois la dimension de contrôle et la dimension d'attention. Et si on dit agent de sécurité, et si on parle de sécurité ou de contrôle, ben on n'a que cet aspect-là. Alors que pour moi, il y a aussi, en tout cas dans la manière dont j'avais envie de dessiner mes deux personnages, oui, alors ils sont là parce qu'on leur a demandé de contrôler. Et ça, c'est aussi parfois la part un peu absurde du film. Mais ils sont surtout là pour créer du lien, en fait. Il est d'accord avec, c'est votre fils, il est d'accord avec... Parce qu'il n'y a pas un coin de ce territoire où on n'a pas renforcé les parois de la rivière pour pas qu'elle s'affaisse, ce qui est aussi normal, voilà, et on a aussi coupé les arbres, voilà, on a replanté des espèces, on essaie de lutter contre les espèces dites invasives. Effectivement, la rivière, il y a une autre rivière qui a été détournée dans celle-là pour... voilà, donc tout est quelque part... la ville a fait en sorte que cette nature-là soit aussi, effectivement... apprivoisée, contournée, adaptée pour qu'elle puisse cohabiter avec la manière dont on veut gérer une société. Ouais. Et c'est vrai qu'on fait peut-être ça avec, Les humains. Les humains aussi, ouais, exactement. Ouais. C'est, je pense qu'il y a, bon, après, peut-être, l'Europe en général fonctionne de cette façon-là, mais je pense que la Suisse est quand même un pays qui essaie de bien tout maîtriser. Surtout dans un quartier qui parfois se trouve un peu délaissé, a l'impression qu'on ne fait pas beaucoup pour lui en termes de infrastructures de transport et autres infrastructures, et ben peut-être pour pallier une critique, on pourrait par exemple envoyer des vigiles, je pourrais imaginer ce genre de réponse en Suisse, même si on ne sait pas vraiment pourquoi, mais comme ça on ne peut pas nous reprocher d'avoir rien fait, sans que ces vigiles ne sachent exactement ce qu'ils doivent faire, etc. Lausanne et Genève, le tout le bassin, les manies, comme on dit, tout au long du lac Léman, en tout cas les grandes villes, c'est vraiment hyper compliqué de trouver un logement aujourd'hui. C'est vraiment, il n'y a pas de logement vacant, quoi, pratiquement. Et que même un grand salaire ne permettait pas forcément de trouver un logement facilement. Donc il y a vraiment... Et puis, enfin aussi la Suisse est un peuple de locataires, en tout cas dans les centres urbains, les gens ne sont pas tellement propriétaires et ça appartient à des grands... souvent des grandes entreprises, des grands groupes, etc. Donc c'est pas qu'on peut acheter, revendre, enfin c'est, voilà, il y a beaucoup de monde qui cherche du logement, ouais, c'est vrai. Alors moi c'est Maxime, je suis membre du collectif de recherche action Droit à la ville d'Ouarnenez et je suis habitant de Douarnenez. Droit à la ville d'Ouarnenez, c'est né il y a à peu près 3 ans maintenant. À quelques-uns, quelques-unes, on a eu envie de continuer ce travail
Et on s'est dit que pour une fois, on n'avait pas forcément envie de prendre la forme et le chemin du collectif militant classique. Et aussi, on était parti d'une vision qui s'est avérée assez vite fausse à travers les événements qui sont arrivés après, mais qu'en fait, on avait le temps à Douarnenez, qu'on était dans un processus plus lent qu'ailleurs, que la situation était peut-être un petit peu moins pire en termes de pression touristique et de pression immobilière que sur le reste du littoral breton, en tout cas de ce qu'on pouvait observer, et que du coup on avait le temps de faire un travail d'enquête, de recherche pour essayer de comprendre mieux ce qui était en train d'arriver à notre ville. Quand je dis qu'on avait tort sur le fait qu'on avait le temps, il y a deux choses. Ça sous-entend deux choses. La première chose, c'est que finalement la situation était quand même déjà très critique pour beaucoup de gens à Douarnenez. Il y avait beaucoup de nouveaux habitants qui s'inquiétaient de pas trouver à se loger, et du coup on voyait qu'il y avait déjà une certaine tension. Mais il y avait aussi quelque chose qui était plus invisible, et que une série d'entretiens et aussi une analyse un petit peu plus historique longue sur l'histoire urbaine de Douarnenez nous a permis de découvrir. C'était que en fait Douarnenez était déjà dans une phase de crise de logement depuis très longtemps, et par-dessus ça arrive le Covid, et avec ce mouvement là en tout cas des flux d'achats et de ventes qui ont semble-t-il été un petit peu partout en dehors des métropoles beaucoup plus actifs, et qui a fait qu'en fait le marché a été très très vite saturé et les prix ont largement augmenté. C'est un état des lieux qui existait en fait avant le Covid et ce mouvement de vente, et qui a été révélé très fortement après. Les lieux communs qu'on a déconstruits au fur et à mesure, il y avait celui que la crise du logement à Douarnenez était de la responsabilité du développement touristique. Alors c'est un lieu commun qui a été partiellement déconstruit, c'est en partie vrai, mais en fait si ça a pu être aussi rapide au final, après la crise du Covid, à atteindre une si forte tension, c'est parce qu'il y avait déjà en fait des phases de crise du logement successives qui s'étaient accumulées et qui existaient bien avant que la question du foncier touristique pose problème à Douarnenez. On voit bien que dans le discours il y a un antagonisme facile partiellement faux qui est construit, qui serait de donner la responsabilité de la crise du mal logement à l'étranger face aux autochtones qui seraient dans leur ensemble soumis au mal logement. Ça prend différentes formes, mais nous ce qu'on observe en tout cas quand on regarde un petit peu comment fonctionne la crise du logement, c'est que les antagonismes qui existent entre les habitants des déjà là et soit les nouveaux habitants, soit les résidents saisonniers ou touristiques, c'est plutôt des antagonismes de classe d'âge d'abord. Les résidents secondaires ont en moyenne plutôt 65 ans, et de classe sociale. Un résident secondaire gagne en moyenne plus de 20% par rapport à un habitant à l'année. Et ensuite un rapport un peu complexe entre métropole et littoral, ou métropole et périphérie. On le voit par exemple quand on regarde les flux d'achats dans le Finistère, le premier acheteur est de Loire-Atlantique, donc est breton dans le cadre de la Bretagne historique. Donc la figure du Parisien comme un repoussoir homogène qui serait responsable de la crise du logement, il s'applique pas réellement à la réalité statistique. Il sert de repoussoir, mais dans les installants ou dans les aspirants installants parisiens, il y a tout un tas de catégories sociales, et dans les résidents secondaires il y a aussi énormément de bretons et de bretonnes qui achètent, donc c'est un petit peu plus complexe que ça. Un moment où il va y avoir une rentrée parlementaire qui peut être un enjeu un peu important. Et il y a une date d'action qui a été posée le 10 septembre. Il y a déjà trois rassemblements. Un rassemblement à Vannes qui a été appelé par une coordination d'organisation, et un rassemblement à Lannion, et un rassemblement à Douarnenez. Donc à Douarnenez, c'est le 10 septembre à 10h. Sur un appel qui est agir pour le logement, il y a urgence. Salut. Vous pouvez leur assurer à leur insu.
On fait un journal vidéo pour le festival. Ah, tu fais ça cette année? Trop bien. Voilà, donc on interview les mouettes. Bonjour. Ici, par ici, c'est là que je suis. Non. Vous fuyez là? Bonjour. Hey, ça va? Et vous là? Oui, oui, vous. Oui, c'est à vous. Je vous donne la parole. Que pensez-vous de la gentrification abandonnée? Pourquoi la Suisse? Pourquoi la Suisse? Pourquoi faire? Je comprends pas. Est-ce que vous avez une explication rationnelle? Pas facile ça. Hein. Là, vous m'avez eu. Franchement, je vais vous donner le mic. Alors, mais je comprends pas en fait. C'est super simple. Non, en fait, c'est trop fin. Comment ça? Non, mais et où enfin, je suis partie. Où tu vas prendre la J'ai été me prendre un café. Je vais vous voir. Bonne soirée. Je vous en prie. Ok, c'est bizarre. Je vous embrasse juste.
Moi je m'appelle Erwan Le Guillermic, je suis réalisateur de documentaires depuis une quinzaine d'années avec un binôme, c'est-à-dire que je travaille avec David Morvan qui est mon co-réal sur pas mal de films. Alors là, je présente un film qui s'appelle Les rêves d'Epsilon autochtones. Epsilon, c'est un crew de Free Party. Autochtones, c'est un autre groupe. Et ils sont reliés ensemble et ils organisent leurs fêtes ensemble. Donc c'est pour ça que le titre du film s'appelle comme ça. Moi, je voulais restituer une énergie que j'avais connue, qu'on avait connue avec David à l'origine dans les fêtes des années 90, au milieu des années 90 en Bretagne. Il y avait un rêve parti de ces années-là. Et on voulait trouver un collectif qui a encore cet état d'esprit et qui incarne cet état d'esprit, et on a trouvé qu'Epsilon était le bon étendard pour porter les questions et l'état d'esprit qu'on avait envie de mettre en avant. Organiser des rêves parties, ça demande une logistique et une gestion importante avec des savoir-faire qui font appel à des savoir-faire multiples. Donc il faut être nombreux, en effet, il faut pouvoir compter sur tout un collectif. Et Epsilon, c'est vraiment ça, c'est quelques individus au départ, mais qui amènent plein de copains ensuite autour d'eux. Et petit à petit, ça fait un groupe assez important et qui sont capables de développer, mettre en place des choses importantes et donc faire des grandes fêtes. Donc oui, c'est une histoire de collectif et de qu'apporte le collectif pour aller loin avec peu de choses en fait. Suite aux premières fêtes qu'ils ont organisées, ils se sont mis à vivre ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un terrain avec des grands hangars où ils ont pu vivre ensemble, donc ça allait plus loin en effet. Il y avait une vraie logique communautaire de vie ensemble et de création de vie ensemble autour de la fête, mais pas que, avec tout ce que ça implique de vie collective. Et ils ont vécu ça pendant, alors selon les individus, mais pendant plusieurs années. Ouais. Moi, ce qu'on porte dans le film, en fait, c'est un peu en effet l'issue du film, c'est de montrer que chacun, individuellement, au sein du collectif, a réussi à se construire et à trouver sa trajectoire de vie, en fait, a réussi à construire sa trajectoire de vie. Aujourd'hui, ils ont une vie plus ensemble, mais ils ont réussi à se construire personnellement au sein de ce monde de la Free Party. Et donc, c'est aussi ça l'idée du film, c'est de montrer que, certes, il y a plein d'aspects qui peuvent être critiqués dans la Free Party, mais il y a aussi un aspect très constructif et très constructeur pour les gens qui en sont les chevilles ouvrières. Et ça, c'est je pense que dans l'exemple des gens avec qui on a tourné, c'est très clair. We'll be right back.
Des images de guerre en plein cœur de Zurich. Au début des années 80, la jeunesse suisse se révolte et demande la création de nouveaux lieux culturels. La Suisse romande n'est pas en reste. À Genève et à Lausanne, c'est toute une génération qui descend dans la rue. J'ai deux valises. Sur la Suisse et tout ça par rapport à la recherche de conseils en optimisation fiscale et ce genre de choses. J'ai un gros patrimoine. D'accord. Et j'aimerais bien moins payer d'impôts. Ouais, je vous ai repéré. Ouais. Bah oui, on est plutôt du genre. Motivé, ouais. Donc, super. Ok. Bien. Je ne filme pas. Parce que c'est vrai que c'est un peu délicat. Non, vous trichez, genre, mais pas. Je veux bien. Non, parce que je veux surtout pas être associé à Balkany de préférence. Merci beaucoup. C'est vrai. Ouais, mais c'est vrai qu'ils se sont fait gauler, quoi. Ah oui, pas que gauler d'ailleurs. Vous voulez organiser un petit débat là sous le chapiteau ? Déclarez moins pour gagner plus, en présence d'Isabelle et Patrick Balkany et des membres du cabinet McKinsey. Super. C'est des spécialistes donc. C'est ça. Il n'y aura pas de problème. Conseil peut-être à donner aux gens qui nous regardent pour. Qu'est-ce
puisque la Suisse n'est plus un, il n'y a plus de secret bancaire autorisé, quoi. Ou alors faut vraiment avoir... Okay. Ouais. D'accord, mince. Et ça va? C'était mieux avant? Ouais. Hein? Et on s'inscrit comment? Parce que moi j'ai essayé d'y aller, on m'a dit que c'était déjà complet. Tu présentes ton ISF et puis après il y a une petite sélection, okay. Mais bon, visiblement ça posera pas de problème. Oui, je pense que ça devrait aller. Ouais. Nous, ça va. Ok. Des petits conseils d'optimisation fiscale peut-être à donner aux gens qui nous regardent et qui sont... Non, attends, non. Non, non. Ça se donne pas? Non. Ça se donne pas, ok. C'est comme l'argent, hein. ça se garde. Hein. C'est comme les tickets bénévoles. C'est tout pareil. Moi, je les ai pour moi. Et voilà, tout ces tickets boisson là. Ouais. Toute cette ivresse, cette joie. Ouais. Et ben, elle est pour moi. Voilà. C'est pareil avec l'optimisation fiscale. Fortune in a game, my life will never be the same.